Chers amis, les temps que nous traversons sont particuliers. Les temps sont mûrs. Le grain lève. Si nous sommes attentifs, nous pouvons percevoir au cœur de notre cœur une indicible présence. Dans l'espace entre nos souffles, dans le silence de l'instant suspendu, cette présence veille. Elle grandit en nous à chaque fois que nous nous levons pour nous tenir debout, debout entre les vagues du temps, debout entre les contradictions, debout dans le silence de notre attention, debout jusque dans nos propres tempêtes intérieures. Temps de résistance, période de résistance, non pas tant à ce qui cherche à nous faire plier à l'extérieur, mais à ce qui voudrait nous coucher à l'intérieur, en nous. Nous avons appris à être comme le roseau face à l'extérieur, à plier pour mieux nous redresser. Mais à l'intérieur, nous avons besoin de nous tenir immobiles et dignes face au théâtre d'ombre qui s'agite et nous susurre de renoncer, d'abdiquer. À l'intérieur, nous avons besoin de trouver la force du chêne, l'aspiration à nous élancer toujours plus haut. Ce sont nos plus belles valeurs que nous avons besoin d'ensemencer encore et d'élever toujours plus haut dans la lumière de la vérité. C'est en nous élevant dans la lumière que peut se lever en nous celui qui peut tout. Ressentez-vous celui qui se lève en vous, celui qui est tissé d'amour et de lumière, d'une lumière descendue jusque dans nos os, jusqu'au tréfonds de nos abysses. Celui qui se lève en nous, dans le silence de nos os, inaugure l'accomplissement d'une promesse pour les temps nouveaux, les temps à venir, les temps à traverser avec courage et dignité, avec foi et sens du service, les uns pour les autres. Pour mieux se lever en nous, il a dû descendre profondément au sein de nos terres intérieures, de strate en strate, de couche en couche, de profondeur en profondeur, d'entraille en entraille. Sans doute l'avez-vous ressenti, peut-être même reconnu, lorsqu'il a arraché de vous un sanglot, une vieille colère, une ancienne rancune, une désarmante incompréhension, alors qu'il portait la lumière dans vos abîmes. Lorsque nous l'accompagnons dans sa visite de nos terres intérieures, nous le voyons accomplir des miracles là où nous nous heurtions à l'impuissance. Il remet de l'ordre dans nos chaos, de l'espérance dans nos doutes, de la foi dans nos cœurs, de l'amour dans nos veines, de l'action dans nos mains. Celui qui reposait jusque dans nos os comme une semence précieuse se lève
pour nous ensemencer. Le grain lève. Les êtres au cœur rempli de ferveur se lèvent et répondent déjà oui. Nous répondons oui, même si nous ne savons pas encore à quoi ni pourquoi. Notre cœur le sait. Celui qui se lève en nous le sait. Celui qui repose dans nos eaux jusqu'à la fin des temps se lève aujourd'hui parce qu'il sait que la moisson sera abondante pour les filles et les fils de l'homme. Il est le moissonneur divin destiné à cueillir les gerbes de nos aspirations pour en faire un nouveau pain de vie. Chers amis, nous sommes appelés par celui qui se lève en nous. Nous sommes appelés pour être fortifiés, consolés, encouragés, élevés avec lui, en lui, en union avec Je suis. Ainsi, nous savons que nous ne serons plus jamais seuls. Nous reconnaîtrons que la lumière jaillit de l'intérieur. Nous nous lèverons avec celui qui se lève en nous. Car il est l'alpha et l'oméga de toute vie. Qu'il en soit ainsi.